expliquer l'activité. Maintenant, on va la travailler ensemble. Mais avant, on va faire un petit rappel. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Il y a les chiffres, il y a les fruits. Alors, il y a le chiffre 1, il y a le chiffre 3 et il y a le chiffre 2. Ici, on a des cerises, les fraises et la poire. Alors, on commence par les fraises. Alors, je compte. 1, 2. Alors, on a combien de fraises? On a 2 fraises. On a 2 fraises. Alors, on va relier les fraises avec le chiffre 2. Alors, je relis les fraises avec le chiffre 2. Maintenant, je compte la poire. On a combien de poires ici? On a une poire. On a une poire. Alors, je relis la poire avec quel chiffre? Très bien, avec le chiffre 1. Je relis la poire avec le chiffre 1. Il nous reste les cerises. Alors, je compte 1, 2, 3. Je compte 1, 2, 3. On a 3 cerises. On a 3 cerises. Alors, je relis les cerises avec le chiffre 3. Alors, j'ai compté et j'ai relié. J'ai compté les fruits, j'ai relié avec les chiffres. Alors, au revoir les enfants et à une autre séance. Le 1 se porte très bien. Le 1 se porte très bien. Et après le 1, il y a quel chiffre? Le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Et après le 2, il y a quel chiffre? Le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Le 3 est un grand 1. D'accord, d'accord. Et après le 3, il y a quel chiffre? Le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Ah oui! Et qu'est-ce qu'il vient après le 4? Le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après? Le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. Le 6 aime les saucisses. Et ensuite, quel chiffre il y a après le 6? Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. Le 6 aime les saucisses. Le 7 a des chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a après le 7? Celui-là, je le connais. Le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. Le 6 aime les saucisses. Le 7 a des chaussettes. Le 8 aime les frites. Et après le 8, vient le... Le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
5. Le 6 aime les saucisses. Le 7 a des chaussettes. Le 8 aime les frites. Le 9 a des gants neufs. Bravo à tous! Allez, on recommence? Et cette fois, on va de plus en plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais on n'en a pas oublié un? Mais oui, le 10. Après le 9, vient le 10. Elles étaient 10 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 9. Elles étaient 9 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 8. Elles étaient 8 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 7. Elles étaient 7 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 6. Elles étaient 6 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 5. Elles étaient 5 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 4. Elles étaient 4 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 3. Elles étaient 3 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 2. Elles étaient 2 dans le lit et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Alors elles se poussèrent et l'une d'elles tomba par terre. 1. Elle était seule dans le lit et la petite dit: bonne nuit. Bonjour, installe-toi confortablement devant ton écran et joue avec moi. Aujourd'hui, nous allons apprendre des chiffres avec les princesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as tout bien retenu? Allez, à ton tour. Combien y a-t-il de princesses sur cette image? Trois. Allez, compte avec moi. 1, 2, 3. Combien y a-t-il de princesses ici? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Et si tu as aimé cette vidéo, rejoins-moi vite sur le site mondedespetits.fr et abonne-toi à ma chaîne.